Bon, Ismaël, on ne va pas rester ici toute la journée. On est pas mal quand même. À toi de mettre la grand voile. Alors, comment ça se passe? Alors, tu vas prendre la drisse. La drisse, c'est le bout blanc. Ouais. Wouh. Alors, non, dans l'autre sens. Ah ben voilà. Et voilà. Allez. Ça bouge un peu quand même. Ouais, hein. Ça bouge. Voilà. Allez, on va y arriver. Allez. Ah, c'est sûr, dès que tu tires, ça monte plus vite. Hein. Il y a deux mois. Ne mollis pas, Allez, encore un peu. Ouais. Voilà, tu peux rabattre, s'il te plaît. Rabattre. Et voilà. Allez, vas-y. Regarde, c'est le rouge. Regarde comme il est joli. Voilà. C'est bon. Alors, on va où comme ça? On va aller un peu au large de 7. Allez, ça marche. Allez. En route vers 7. Bonjour à tous les amis, je suis très heureux de vous retrouver pour vos nouvelles échappées belles. Là c'est juste génial, il y a la mer Méditerranée, le soleil, le vent dans les voiles et je voulais vous faire ce petit cadeau de partager avec vous ce moment de farniente. Alors dans quelques instants, avec ce voilier et Michel, son skipper, on va rejoindre le port de Sète. C'est le point de départ du voyage d'aujourd'hui, je vais aller explorer l'Hérault. Du front de mer jusqu'au paysage plus secret, moins connu, mais vraiment grandiose de l'arrière-pays. Alors l'Hérault, je suis sûr que vous êtes très nombreux à connaître, peut-être parce que vous êtes venus en vacances, c'est dans le top 3 des destinations préférées des Français, ou bien parce que vous envisagez d'y poser vos valises. Chaque année, il y a plus de 13 000 personnes qui viennent s'installer ici. D'ailleurs, sur mon chemin, j'ai décidé d'aller rencontrer des gens qui sont à la fois des amoureux de ces terres et qui en même temps ont décidé d'en prendre soin, parce qu'une question se pose, comment préserver cette nature à un moment où elle est de plus en plus visitée. Paré pour l'aventure, les amis, c'est parti! Des échappées belles entre mer. C'est cool ici, on est bien. On a tous les Parisiens qui viennent nous voir, donc pourquoi monter à Paris? Et je pense qu'on est en bonne santé quand on vit près de l'eau. Et terre. Ça a du sens de traverser les montagnes, d'aller à un point B, de bivouaquer tous les jours à un endroit différent. Et bon, c'est une sacrée aventure, quoi. Dans le département de l'Hérault, Ismaël Khalifa va de découverte en découverte. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le violet pour les Français, on va dire, mais le bijou pour les Sétois. Les Halles, c'est le rendez-vous pour pouvoir comprendre la gastronomie de Sète. Donc là, ça y est, on est sur l'étang de Thau. À partir du moment où on sort du port de Sète, on est sur l'étang de Thau. Sur l'étang, on produit environ 10 000 tonnes d'huîtres par an. En gros, ça génère 2 000 emplois. Un patrimoine naturel. Et bienvenue à tous, merci d'être là. On va commencer le nettoyage par un petit spot qui est à peu près une cinquantaine de mètres dès le départ. Wouhou ! Oh là là ! Qui peut compter sur ses anges gardiens. C'est typique des paysages calcaires. Il n'y a pas de rivière dans les cours d'eau. Elle se passe. Il est important pour nous de savoir quel est l'impact de cette perte sur les sources. La vache dans la vigne, c'est pas venu naturellement. Il a fallu comprendre que la bouse de vache est vraiment un habitat naturel du ver de terre et de beaucoup d'insectes, notamment les coléoptères. On ne peut pas faire ça. Vers de terre. Et une douceur de vivre. J'imagine que ça doit être une vie un peu spéciale d'habiter dans un endroit comme celui-là. Vous êtes combien d'habitants ici? On est 70. On arrive à faire en sorte qu'il y ait de l'entraide, de la solidarité et qu'on vive en coopération. Communicative. Tu sais que moi j'ai souvent rêvé d'essayer le geste sur le tour. Merci d'avoir participé. Beau travail. Une échappée qui fait déjà penser à l'été. J'ai de la chance de vivre ça avec vous, moi. Nous on est heureux de partager ce moment avec toi. Bienvenue dans les Hérault. Alors Ismaël, elle est pas belle la vie? Ouais, c'est vrai que là on est pas mal. Hein. Ben, bienvenue à Sète, plus beau port de Méditerranée. Et c'est beau hein, en tout cas cette arrivée comme ça. Je comprends que ça inspire les poètes ici, hein, c'est beau. La ville de Georges Brassens. En face, t'as le petit bateau de Brassens, le Gis. À la petite barque. Carénage, oui. Juste la petite barque qui est là. Bonsoir. Oh, mais il y a du monde là. C'est cool l'ambiance ici. Ouais. Hop là, je fais attention en descendant. Oui, tu tombes pas. Hein. Bon Michel, merci beaucoup. C'était vraiment génial. Pour débuter ce voyage dans l'Hérault, ça pouvait pas être mieux. Tu es chez toi, c'est quand tu veux. Eh ben, je reviendrai alors. Allez, au revoir. Salut.
Bonjour, bonjour. Coucou. Salut. T'as fait bonne route? Ah bah très très bien. Tu peux me donner un petit coup de main? C'est un peu lourd, attention. Merci. La bourriche d'huître. Oui, c'est ça. On va découvrir cette. Eh bah écoute, ouais, on va y aller. Je suis content de vous rencontrer, moi. Avec plaisir. On se verra plus tard, je vous laisse. J'ai encore un peu de boulot et on se voit après de toute façon. Eh oui, il faut que t'ailles t'occuper des huîtres. C'est ça. Ok, très bien. Bon, bon bah à tout à l'heure, hein, Quentin. Allez, à toutes, bye. À tout à ciao. Et là, t'arrives de l'étang de Thau, alors? Oui, c'est ça. On a fait une petite demi-heure de bateau pour arriver ici et venir faire la petite livraison d'huîtres à Jordan, notre ami, qui a un restaurant gastro un petit peu plus haut à côté des Halles. D'accord. Mais alors, tu vois, c'est pas pour rentrer dans le cliché, mais tu n'as pas forcément l'apparence telle que je me l'attendais d'une ostréicultrice. Ah, mais c'est parce que là, j'ai mis les petites chaussures. Mais d'habitude, je suis tout le temps en botte. Hein. Ah bon, d'accord, ça va. Non, mais le petit sac à main et tout, parfait. C'est parce qu'on va faire un petit tour dans les Halles. Sinon, le sac à main, il voilà. est toujours à la ferme. Mais bon, là, au cas où, j'ai pris ce qu'il fallait. Je trouve, tu vois, c'est mes premières impressions, mais qu'il y a une ambiance un peu italienne dans cette. Enfin, les petits canaux tout colorés, il y a les façades aussi, pareil. Ça fait vraiment ville du sud, mais avec un côté très italien. En fait, il faut savoir que cette, c'est un très grand port. Et il y a eu vachement de personnes qui sont venues apporter leur culture, dont les Italiens, qui se sont beaucoup installés dans les quartiers hauts de cette. Est-ce que tu as grandi ici, Emeline? Non, moi je suis d'un petit village à côté et c'est Quentin qui m'a fait découvrir le tour du bassin de Thau avec les différentes villes. Ah donc c'est un peu l'amour qui t'a amené ici quoi. C'est beau ça. Et tu te verrais vivre ailleurs toi alors? Alors moi j'ai un peu voyagé, je suis allée en Nouvelle-Calédonie, j'ai découvert d'autres paysages. Bah, pour rien au monde je déménagerai. Ah ouais, carrément. Ah non. Ok. T'as vu le ventilateur à saucisson? C'est magique ça quand même. C'est pour les mouches. Alors ça y est, on est arrivé, là il y a l'arrivage. Ok. Et le French Farmer, donc c'est les restaurants de Jordan. Ok. À qui on va livrer les huîtres. Salut Sam. Salut. Donc là c'est le second de Jordan. Enchanté. Enchanté, salut. On va aller regarder. Ah bah ouais, carrément. La boîte au trésor. Waouh. Ici vous les utilisez beaucoup dans votre cuisine? C'est ça. On les utilise un peu pour tout, sur le barbecue, cru, en entrée, en plat. J'ai hâte de goûter ça, moi, en tout cas. Mais je crois que Jordan te réserve une petite surprise un petit peu plus tard. Génial. Eh bien, merci beaucoup. Merci écoute, à vous. Bonne à bientôt. Ouais. Au revoir. Allez, bon courage. Oui, au fait, si jamais tu cherches un bon bouquin, il y a cette librairie qui est géniale. Un petit clin d'œil. Je te la conseille, hein, elle est vraiment super. Donc là, on arrive sur la place Léon Blum. Mais ici, à Sète, si tu dis ce nom-là, personne ne le connaîtra comme ça. Parce que pour ici, c'est la place du Pouffre. La place du Pouffre. Parce que le Pouffre, c'est le nom, c'est toi, pour le poulpe. Je réfléchis à me faire tatouer un poulpe aussi. Ah ouais, vraiment? Ouais, j'adore. Ah, carrément. Ouais, carrément. Ah, je le trouve super beau. Et en plus, ça représente tellement le bassin de Thau. Hey, mais c'est génial, c'est ça! C'est trop beau! Ah, mais je rêve! C'est énorme! Mais toi, t'es trop forte! T'as organisé tout ça juste parce que je venais! Ah non, mais là, c'est tombé pile poil! C'est magnifique! Franchement, bravo! Hein. Waouh! Et il y a souvent des bateaux comme ça qui viennent sur les canaux? Alors ça fait partie de la culture de Sète, les joutes sétoises. Donc tout l'été, il va y avoir des festivités et des animations sur l'eau avec les bateaux des joutes. Là, ils s'entraînent à ramer. Ça fait vraiment partie de Sète. Ouverte à la fois sur l'étang de Thau et sur la mer, Sète est le plus grand port de pêche de Méditerranée. La ville s'est construite autour de ses canaux et vit au rythme des chalutiers qui viennent garnir les étals des poissonneries et les tables des restaurants. Comme beaucoup de Sétois, Gabriel commence sa journée aux Halles. Dans cet immense marché, le restaurateur retrouve toutes les gourmandises de la Méditerranée. Mais avant de faire ses courses, il s'offre un petit crochet pour son rituel du matin. Salut!
Ça va? Ça va et toi? Je viens te récupérer quelques violets. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le violet pour les Français, on va dire, mais le bijou pour les Sétois. Donc je vais prendre celui-ci. Et je vais même en prendre un petit dernier, celui-ci. Est-ce que tu peux nous les couper? Génial. La première fois que j'ai dû manger ça, je devais avoir 4 ou 5 ans. C'est très beau. Pas forcément de l'extérieur, mais quand on va le couper, vous allez voir la couleur que ça a. C'est une couleur qui est très spéciale. Et c'est quelque chose qui se pêche au fond de la mer. Ils sont superbes. Et ça, c'est censé nous réveiller et yoder un peu plus notre journée. Donc ça se pousse avec le pouce. Et ça se mange comme ça. C'est une merveille, vraiment. Et quand il a besoin de poissons, Gabriel se rend toujours chez André Di Maio. À la fois pêcheur et poissonnier, André a toujours un petit conseil à glisser à ses clients. Ça va, Dédé? Voilà, bon, ça c'est un super étal, ça. L'un des plus vieux étals de 7. Monsieur Di Maio, lui, en plus de vendre du poisson, connaît l'histoire du poisson, la manière de le cuisiner. Et c'est une vieille famille, donc c'est une vieille famille de pêcheurs, donc les petits secrets, ils ne s'inventent pas en fait. Il faut juste les connaître. Frit. Eh oui. Il n'y a pas d'arête. Il n'y a pas d'arête, mais oui. Frit avec une feuille de menthe à la fin, un peu d'ail, un peu de vinaigre, hachée, c'est un délice. Une escabèche de rouget. Une escabèche de rouget. Il n'y a pas d'arête, c'est un délice. Les Halles, c'est le rendez-vous pour pouvoir comprendre la gastronomie de Sète. On va trouver tous les produits que chez nous on peut proposer, leur histoire avec certaines personnes qui la connaissent. Et puis c'est surtout un endroit où on se sent bien, où on a envie d'acheter, de manger, de profiter, de goûter. Donc oui, c'est un vrai cœur de ville ici. Au-dessus des Halles, sur les pentes du Mont Saint-Clair, commence le quartier haut. C'est dans ces rues escarpées que se sont installés les pêcheurs d'anchois italiens au 19e siècle. Le quartier en tire une forte identité. Si les rivalités se sont estompées au fil du temps, elles peuvent ressurgir à l'occasion d'une partie de pétanque. Par exemple, quand les pointus, les habitants de la Pointe Courte, viennent défier le quartier haut sur la place du village. Oh, et ça ! Quand c'est la Pointe Courte qui arrive au quartier haut, il faut qu'on puisse se démarquer quand même. On est chez eux, ils nous reçoivent chez eux, mais on va pas se laisser faire. Ouais, ça ! C'est un des premiers rendez-vous dans la ville de Sète, c'est le quartier haut. Depuis tout petit, on vient ici, on passe par là. Et on se retrouve effectivement entre quartiers ou entre copains pour faire une partie de pétanque, une partie de foot, boire un coup, discuter. C'est vraiment un palier inévitable sur la montée du mont. Si le quartier haut abrite traditionnellement les pêcheurs au chalut de Méditerranée, à l'autre bout de la ville, la Pointe Courte est tournée vers l'étang de Thau. Coincé sur sa petite péninsule, le quartier cultive un esprit frondeur, un peu en marge de la ville. Tony a grandi ici, au milieu des petits bateaux et des filets de pêche. Là-bas, c'est des familles de pêcheurs qui vivaient ici. Maintenant, il y en a beaucoup moins de pêcheurs. Et du coup, là, on est dans un quartier vraiment où les cabanes sont restées telles quelles encore de l'époque. Voilà, c'est un quartier vraiment typique, en dehors de Sète un petit peu, mais quand même sétois. Josiane. C'est un peu le... Tiens, vas-y, ça c'est même un jour, peu chichot, hein. C'est très bien comme ça. Voilà mon petit musée, le bordélique. Hein. C'est une expression à moi, quoi. Hein. De l'art modeste, hein, brut. C'est des objets que je récupère par terre, dans la rue, à des châteries, et que je transforme souvent mes goûts en couleurs. Ça, c'est les mariés. Les mariés, ils vont à l'hôtel de ville, au lieu d'aller en voiture, ils y vont en boisson. Pour moi, la Pointe Courte, c'est mon âme. Hein. Je suis né ici. Et c'est là où je me ressource, hein, je revis. J'ai beau aller ailleurs, je reviens ici, moi. Non. Moi, la Pointe Courte, c'est la Pointe Courte. Sacrée. L'ambiance de Sète inspire aussi Tony. Il a réalisé cette fresque au pinceau sur une façade de la Pointe Courte. On y trouve tous les métiers et traditions de la ville. Mais aujourd'hui, c'est sur le bateau de son ami Robert qu'il étale ses personnages emblématiques de Sète. Là, il y a une sirène, là j'ai fait un pêcheur, les chats, parce que c'est typique du quartier, il y a une association de chats à la Pointe.
un jouteur, un peu l'ambiance de la pointe courte. D'une, ça me fait plaisir de faire un bateau, de le voir, une œuvre flottante, on va dire, entre parenthèses, mais surtout, ça me fait plaisir voilà, de rendre hommage à un pêcheur comme ça, qui est encore actif, qui a toujours été dans le quartier, qui m'a vu grandir, donc voilà, on va dire pour marquer le coup. Parce que je vais avoir peur de la vieux maintenant, donc. Des fois, j'ai l'air Tony. Tony, tu sais que je suis encore en activité, tu sais qu'elle est beau, c'est que je vais pouvoir travailler avec. Je pense qu'il va être bien vu sur les temps de taux. Hein. Ce bateau fera ainsi le trait d'union entre deux identités fortes de Sète, ville d'artistes et ville de pêcheurs. Ça y est, on est sur les tantos. Parce que alors, ça a quand même bien changé l'ambiance. Hein. Alors ouais, on est sur les tantos. À partir du moment où on sort du port de Sète, on est sur les tantos. Mais il y a un côté mer intérieure ici. Ah, c'est immense. Ça fait 19 km de long sur 5 km de large. Donc ça fait quand même un sacré terrain pour pêcher. J'ai l'impression qu'il y a énormément de parcs à huîtres, qu'il y a une énorme production ici, non ? C'est la plus grosse de Méditerranée. Sur l'étang, on produit environ 10 000 tonnes d'huîtres par an. Il y a 400 entreprises en activité. En gros, ça génère 2 000 emplois. Voilà. Ah, quand même. Ah oui, donc c'est un secteur vraiment très important, quoi. Mais mine, toi, avant d'arriver ici, tu n'étais pas du tout ostréicultrice. Non, j'étais dans l'équitation, donc j'étais déjà dans la nature. Et quand j'ai rencontré Quentin et que j'ai découvert l'ostréiculture, j'ai adoré. Et c'est pour ça qu'après, j'ai voulu me lancer moi aussi à mon compte. Et que du coup, j'ai fait la formation au lycée de la mer. Mais qu'est-ce qui t'a plu là-dedans? Tu dis j'ai adoré. Ah, ben c'est le fait d'être sur l'eau, de travailler dehors, d'être avec la nature. Même si c'est un métier physique, c'est pas grave parce que ça entretient. Pas besoin d'aller à la salle de sport comme ça. Ça y est, on vient d'arriver à notre masse ostréicole. Je te tiens le bateau, vas-y. Merci. Ah bah quel comité d'accueil, il y a un ours. Ah oui. Salut toi. C'est le bébé. Salut maman. Super. On va en poser une ici. Voilà. Alors ça, c'est les bébés huîtres. Elles sont prêtes à être collées. Parce qu'ici en Méditerranée, on élève nos huîtres sur corde. C'est vraiment typique du bassin méditerranéen. Alors que dans les autres bassins français, ils élèvent leurs huîtres en poche. On va commencer d'en haut. Ouais. Et on vient mettre les huîtres par deux comme ça. Hop. Et on par deux. Et en descendant tout le long. Les huîtres, regarde, on met la bouche de l'huître vers le haut. Ça, c'est la bouche de l'huître ? Ici, oui. Ah, je savais pas ça. Allez, moi, j'attaque ce côté-là. Allez, ça marche. Mais ça va, t'as vite compris, hein ? On va pouvoir t'embaucher, hein ? C'est gentil. Écoute, mais le cadre de travail est génial, hein ? On est pas mal, hein ? Franchement, c'est magnifique. Bonjour ! Est-ce que c'est un métier qui se féminise, l'ostréiculture ? Alors, il y a toujours eu des femmes dans ce métier-là, parce que... Ah, c'est marrant, parce que c'est pas forcément l'image qu'on en a, tu vois. Oui, on imagine le pêcheur un peu bourru. Bah ouais, c'est ça. Mais en fait, dans les masses ostréicoles, il y a toujours eu des femmes. Avant, les hommes partaient à la pêche et les femmes restaient à quai pour elles ramasser les coquillages. Et c'était elles les premières à avoir fait les huîtres. Et après, les hommes, ils se sont accaparés notre métier. Voilà. Oh, c'est bon, il y en a assez, là. OK. J'en ai plein. Regarde, hop. Donc là, on va venir prendre une corde. L'ours veille sur moi. Attention, hein. Pas de bêtises. Alors, au bout, il y a le clou. Ouais. On vient tourner comme ça. On vient le mettre dans le clou. Et je vais mettre la corde là-bas. Allez, je le fais. Voilà. Là, c'est bon, c'est pas... C'est parfait. Voilà. Quentin, si jamais il arrête l'ostréiculture, il pourra devenir boulanger. Enfin, les gâteaux au ciment, c'est pas top.
Voilà. Le geste est précis. Tu veux essayer ? Bah avec plaisir. Ok, donc je fais tout doucement, hein, le premier. Ouais, vas-y, nickel. Vas-y. Nickel. Voilà. Va, hein. Ah, mais nickel, hein. Bah grave. Je suis hyper concentré, vous vous rendez même pas compte. Tu dis tout, hein. Alors là, on va venir prendre la troisième huître. Ok. On va mettre côté bombé vers le chou. Voilà. Allez, impeccable. On va laisser sécher et puis on va aller pendre aussi celle qu'on avait fait hier. Voilà. Très bien, ça marche. Comment je fais là ? Alors là, tu décroches la corde. Ouais. Et tu l'as tendue et on la jette à l'eau. Ok. Là, tu peux y aller franco, ça craint pas. Normalement, c'est bien collé. Et toi, après, tu les attaches à la table. C'est ça. Et je viendrai les étaler correctement plus tard. Et combien de temps elles vont rester, ces huîtres ici alors ? Là, les huîtres, elles vont rester encore un an ou un an et demi. Et puis après, elles auront atteint leur taille commercialisable. C'est marrant cette façon de. De se promener. Ouais. Se croirait dans un parc accrobranche ou un truc comme ça. Hop. On vient regarder un petit peu. C'est des huîtres qu'on a collées il y a 3 mois. Et avant, elles étaient comme les autres derrière, beaucoup plus petites. Oui. Mais c'est dingue la croissance qu'elles ont réalisée en si peu de temps. Ça, on voit qu'elles profitent bien là. Hein, ah ben là, on est content. Là, si tu veux, on peut voir un coup de dent de dorade qui nous a mangé l'huître. Ah, ça, c'est une dorade qui a fait ça ? Elle casse le bout de l'huître et ensuite elle vient manger la chair. Alors, et à part les dorades, qu'est-ce qu'il y a comme autre prédateur sur les huîtres ? Alors chez nous, on a un escargot, on l'appelle le roux-doudou. C'est un espèce d'escargot. Ah oui, bah, c'est vrai que celui-là, il fait peur. Hein. Il fait peur celui-là. Ouais. Il remonte sur les cordes, il monte sur les huîtres et il perce la coquille avec un jet d'eau et il mange la chair. Donc c'est pour ça qu'on ne laisse jamais une corde toucher le fond, c'est pour éviter que les roux-doudou remontent. Sur le parc de nos championnes. Ces huîtres-là, elles nous ont rapporté une médaille d'or au concours général agricole de Paris. Ah, bravo! Donc là, je suis en train de les sortir hors de l'eau. C'est ça, l'exondage. L'exondage? C'est le fait de reproduire les marées de telle manière que ce sera vraiment bénéfique pour l'huître. C'est-à-dire qu'elle va être tout le temps en train de manger et que de temps en temps, je vais les sortir. Comme ça, l'huître ne peut jamais s'habituer au cycle et elle va toujours se muscler et on a des huîtres super fitness. Ouais, c'est ça, elles sont hyper affûtées. Et oui, parce qu'elles doivent du coup résister au manque d'eau et aux conditions que tu leur imposes avec ce traitement-là. Tu sais, j'ai comme l'impression qu'on a sorti un trésor du fond des mers, quoi. C'est ça. Mais c'est un peu votre trésor à vous. Tu veux goûter une huître ? Ah bah ouais, carrément. Allez. Ah oui, d'accord. C'est ça le couteau, c'est magique. C'est un couteau de pirate. Ouais, je vois ça. Bah, elles vont être bonnes, mais je vais avoir le tétanos à la fin, non ? Fais attention à toi quand même. Ouais, c'est bon. Et à toi, on est professionnels ici. Elle est trop belle. Yes. Elle est qu'est-ce magnifique. Que c'est beau. Oh, c'est bon. Ça te plaît ? Vous me regardez tous les deux comme si... Ouais. Qu'est-ce qu'il va dire ? Qu'est-ce qu'il va dire ? Ah, mais c'est délicieux. Bon, ah ouais, vraiment, elle a un goût très singulier, je trouve. Moins de salinité, plus douce en bouche, enfin, tu vois, elle a... C'est des médailles d'or. Ah ouais, bah vraiment, ouais, je comprends. Je comprends. Aussi, bah, je vais mettre un petit fil comme ça, médaille d'or. Bah, il n'y a pas plus frais. Hello. Ça va ? Ça va. Jordan. Jordan, le fameux Jordan alors, le ouais. Chef. Alors qu'est-ce que tu cuisines de beau ? Et là on fait une brazoukade, une spécialité de chez nous. C'est les moules cuites à feu vif avec la sauce qui va bien derrière. Donc après les sauces on peut faire comme on veut, ça peut être avec du vin, de l'huile, du ricard, des oignons, de l'ail, des épices en pagaille. Ouais, ketchup, ça c'est vraiment ouais, voilà, exactement, c'est vraiment au choix. Jordan, toi, je sais que tu as fait l'émission Top Chef, tu aurais pu monter un restaurant à Paris et tu es venu ici à Sète monter ton affaire, enfin tu es revenu chez toi. Je
puis c'est cool ici, on est bien. On a tous les Parisiens qui viennent nous voir, donc pourquoi monter à Paris? Voilà, c'est donc, ça. Les temps de taux, c'est quand même une ressource, c'est un vivier juste exceptionnel. Et puis les produits de la mer, c'est quand même une empreinte qui est assez marquée dans ma cuisine, une cuisine assez iodée. Et je pense qu'on est en bonne santé quand on vit près de l'eau. Ta-da ! Après l'effort, le réconfort. Alors c'est moi qui ai tout fait. Waouh, wow, regarde yeux, ça comme c'est trop beau, Jordan. Bravo. Ah, c'est trop beau. Merci. Et alors ces moules? Ah, oh, ben moi, on n'entend pas trop, hein. Du coup, ouais, on ne que manger. C'est ce que j'allais te dire. Elles ont un petit côté croustillant. Oui, là, on les a un peu laissés un petit peu gratiner dans leur gras. Et sur tous les bords, là, ça crépite un peu avec les épices. Ah ouais, vraiment. C'est que... J'ai de la chance de vivre ça avec vous, moi. Bah, nous, on est heureux de le partager ce moment avec toi. Allez. On va trinquer quand même. Allez, à la vôtre. Et à cet étang de taux qui nous offre tant de belles choses. Hein. Allez, c'est bon pour toi là-bas. Hein. Allez. Voilà. Quoi, Philippe, la difficulté de ces bateaux, c'est qu'ils n'ont pas de quilles. Alors, ils remontent difficilement au pré. Et quand tu as une risée qui arrive, il faut laisser le bateau monter dans le vent, monter dans la risée. D'ailleurs, en parlant de risée, regarde, t'en as une qui arrive là, voilà. 15 mètres. Yvon et Philippe sont des passionnés de ces petits bateaux de pêche qui, jusque dans les années 60, travaillaient sur la lagune à la seule force du vent, les barquettes marseillaises. Ouais, pas mal. C'est ce qu'on appelle un bateau de petit métier, hein, qui naviguait avec un gréement type voile latine. Hein. C'est ce type de bateau qui orne la Méditerranée depuis des milliers d'années maintenant et qui servait encore jusque dans les années 50 de bateau utilitaire à la pêche. Les gars, ils y allaient, ils montaient dessus pour aller gagner la pitance du jour. Hein. Sans l'association des voiles latines, il ne resterait sans doute plus beaucoup de ces vieux gréements. Toute l'année, ces amoureux du patrimoine s'emploient à maintenir plusieurs dizaines de bateaux en parfait état. Alors qu'est-ce qui nous amène à faire naviguer ce type de bateau? C'est avant tout une passion immodérée de la mer. La mer, c'est s'intéresser aux hommes. Et s'intéresser aux hommes et à la mer, c'est s'intéresser à comment ils ont abordé cette mer et comment ils ont fait pour y naviguer dessus. Pour restaurer et entretenir ses bateaux, l'association s'appuie sur son propre chantier naval, le dernier chantier bois de Sète. Il n'a pas bougé depuis sa création. Joël, oh, reste là, s'il te plaît. Voilà. Les bateaux remontent doucement sur un rail tiré par un treuil presque centenaire. Si vous utilisez une grue avec... un croisillon, à un moment donné, les sangles vont appuyer latéralement sur la coque du bateau et du coup, ça risque de déformer les bordées. Ces bateaux, ils sont anciens, ils sont des années 50, ils sont fragiles, on les entretient et aussi, quand on veut monter le bateau, il faut prendre toutes les dispositions pour ne pas esquinter la coque. Il n'y aurait pas de chantier, on ne pourrait plus caréner ces bateaux avec cette technique-là qui est de loin la meilleure. Alors, on peut mettre les cales. De vieilles machines et beaucoup d'huile de coude. Pour une poignée d'euros, les propriétaires voient leur bateau entretenu deux fois par an par des bénévoles qui découvrent ainsi de nouvelles pratiques. Ce que j'aime dans l'activité au chantier, c'est tout ce qui est entretien. Ça peut être la peinture, ça peut être le ponçage. Chacun a sa petite activité en fait fétiche. Ce qui est important, c'est la transmission du savoir. Tout ce que les anciens ont pu faire, ont pu créer, c'est important de le conserver et de le transmettre. Et quand il faut restaurer un bateau, toutes les techniques apprises sur le tas permettent de comprendre leur architecture pour les faire renaître à l'identique. Malheureusement, il y a un savoir qui a disparu. Parce que c'était un savoir qui se communiquait souvent de bouche à oreille, et y compris les maîtres charpentiers cachaient leurs plans de construction. Et c'est parce qu'il y a des lieux comme ici, mais comme il y en a aussi, heureusement, tout au long du littoral, il y a encore des passionnés, des gens qui se souviennent, ou des gens qui ont connu ça dans leur famille, qui continuent à perpétrer un peu ce travail, cet art de faire de la charpente marine.
capitaine? Ça va, et toi? Faire naviguer des bateaux qui passent trop de temps au port, c'est aussi le projet de Bourlingue et Pacotille. Plusieurs fois par an, cette association de musiciens sillonne la Méditerranée sur des voiliers de plaisance pour jouer dans des festivals en Sicile, Sardaigne ou Tunisie. Et comme ils sont passionnés de cuisine, ils ont commencé à rapporter des produits gastronomiques de leur voyage qu'ils revendent de ce côté-ci de la Méditerranée. Nous, on faisait la cuisine pour, lors des festivals, on cuisinait pour le public. Donc, bah, il fallait acheter des produits, je ne sais pas, aux Canaries, à Madère. Donc là, forcément, tu vas rencontrer des producteurs, tu découvres des nouveaux produits, des manières différentes aussi de faire. Et donc, voilà, après, bah, tiens, tu vas en prendre un peu plus parce que tu as envie de le ramener chez toi. À chaque voyage, si on part à 2-3 bateaux, on arrive à transporter à peu près 3 tonnes de produits. Aujourd'hui, les marins ont traversé l'étang de Thau pour se rendre à Mèze, chargé de produits siciliens. Huile d'olive, amandes, capres, vin, que des produits bio qu'ils ont découverts au cours de leur voyage. Il y a du vin sicilien et du vin sarde, donc ça c'est blanc. On a des blancs et des rouges. Tchac tchac. Ensuite, celui-là, je le connais. Ouais, celui-là, tu le connais. Ensuite, on a du nougat de Sardaigne, et c'est du nougat aux noix. Et c'est un nougat sans sucre ni glucose. C'est vraiment du miel, des noix et du blanc d'œuf. C'est ce que ça. J'ai pris de l'huile, je pense, parce que bon, l'huile, c'est quand même très sain. Hein, c'est une huile biologique, et puis les vins sont toujours excellents. Ce qui me plaît, c'est de faire vivre déjà des gens sur l'eau, qui ont une volonté environnementale forte. Le transport à la voile, ça me paraît essentiel, même si on paye un peu plus cher. C'est des produits qui sont quand même, je dirais pas de proximité, mais bon, c'est la démarche qui est intéressante, elle est engageante. L'initiative séduit et l'association voit grand. Elle construit déjà un voilier capable de charger 20 tonnes de marchandises. Voilà, super. Ça va, ouais. Et faire revivre, même à petite échelle, le transport de fret à la voile. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour Ismaël. Bienvenue Renaud. À bord. Renaud. Salut Renaud. Salut. Enchanté. Je peux monter à bord? Allez, bienvenue à bord. Ouais. Posez-vous. Hop là, salut. Sympa votre petit bateau là. Ah ouais, petit pour nous, des grands. Hein. Ah ouais? Ok. Bon, moi je suis tout excité parce que l'idée de faire une expédition scientifique avec vous, bon, je sais pas, c'est peut-être un peu présomptueux, mais... Enfin, ça me fait quelque chose quand même, c'est pas rien. Oh, c'est un peu ça, hein. C'est quand même, on fait des suivis scientifiques, suivis écologiques. C'est vrai que là, on a une opération particulière. On va t'emmener juste en face sur cette île, l'île de Brescou. Mais il y a un vrai contraste quand même entre ce fort et les constructions qui sont là derrière. Hein. C'est deux univers complètement différents. Je vois pourquoi tu dis ça. Tout le monde nous dit ça, mais c'est la vérité. Oui, non, bah, évidemment, il y a une grosse station balnéaire. Hein. Bah, c'est une des plus grandes d'Europe, hein, quasiment, le Cap d'Agde. Et puis bah, voilà, dès qu'on sort du Cap d'Agde, du plan d'eau, on est dans l'aire marine protégée de la côte agatoise. Et là, le but de ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est quoi alors? Bah, là, aujourd'hui, on va se focaliser sur les algues. On a des algues qui existaient ici dans les années 80, qui ont disparu parce que problème de mauvaise qualité de l'eau et autres. Et nous, depuis 2 ans, ben on est en train de les réintroduire. Ah, vous réparez la nature? On répare la nature. L'opération qu'on a menée, c'est l'installation de mouillage écologique. Ces bouées blanches, on voit avec des bateaux là, tranquilles. Là, on est obligé sur ce secteur de venir sur une bouée pour s'attacher. Et en même temps, après, on peut profiter de la mer en se baignant, en pêchant. S'il le faut, la pêche n'est pas interdite ici, on peut faire ça. Par contre, voilà, pas droit de jeter l'ancre pour ne pas abîmer les fonds marins qui sont en partie ici des herbiers de Posidonie. Ouais, les herbiers de Posidonie, c'est les herbiers qui font respirer la Méditerranée, ces plantes sous-marines qui sont un abri pour toutes les espèces marines. Tout ça, qui stockent le carbone. Les herbiers de Posidonie font partie donc des écosystèmes qui permettent de mieux protéger notre littoral. Bon.
on voit bien le dallo. C'est un support. Et c'est là-dessus qu'on va venir accrocher notre petit fagot. De ce fagot de cistoser là, qu'on a, on y a mis un serflex qu'on va entourer, on va venir serrer tout simplement. Nickel, j'y vais. Applique-toi, je vérifie. Et voilà, je suis beaucoup moins rapide que toi, Mélissa, quand même. Bah, tu vois, ce qui me surprend, c'est que finalement, on est face à une menace énorme quand même, l'urbanisation des côtes, le réchauffement climatique, etc. Et là, on fait des petits gestes tout simples. Et vous, vous aidez finalement la nature à reprendre le dessus, quoi. On va voir un endroit où ça a marché ? Eh ben, écoute, avec grand plaisir. Ah, oui, parce que là, c'est vraiment le début. Là, c'est le début, et on a l'étape d'après. Sur un des sites où on avait mis des pitons, où on avait justement fait l'ensemencement qu'on a fait là-bas. Et regarde, tu vois, ça a poussé, ça a colonisé l'ensemble de la pierre. Mais vous avez fait ça quand ? Alors ça, ça a 2 ans. Pour bien comprendre, si vous plantez ces petites algues, c'est pourquoi ? Qu'est-ce qu'elles vont apporter à l'ensemble du milieu marin ? Ben là, c'est pour renforcer la biodiversité. Et il y a des espèces donc particulières, des animaux, qui se mettent là-dedans, qui se reproduisent, qui se fixent, c'est des nurseries, qui après vont être relarguées et après vivre une autre vie. Donc quelque part, tout ça, ça participe d'un équilibre écologique global. Et c'est ça que nous, on recherche sur l'aire marine protégée. Et j'imagine que ça doit vous rendre fière, tout ça, Mélissa, que ce que vous faites, ça donne du résultat. Ben oui, en effet, ça c'est un projet que j'ai vu il y a 2 ans, que j'ai mis en place avec mes collègues il y a 2 ans. Et voir la rapidité, que c'est très concret, ben, ça fait un réel plaisir et oui. C'est assez impressionnant comme résultat. Donc voilà. Ça sera à faire partager au plus grand nombre. Il n'est pas ouvert au public alors ce fort ? Non, il est fermé au public depuis une quinzaine d'années, mais on espère le réouvrir. Il y a des travaux de restauration actuellement d'ici quelques années. Et il date de quand ? Alors ça date du XVIe siècle, hein, et ça avait surtout une vocation militaire pour la protection des côtes. Ah, et le phare, là, il est toujours en activité ? Oui, bien sûr, oui, c'est notre phare avec celui de Sète, hein, l'un des plus importants. Ah, c'est cool cette vue ! Ouais, sympa, hein ? Et quand tu as commencé à t'investir dans l'environnement, j'imagine que c'était il y a un petit moment maintenant, tu imaginais que ton discours serait entendu Le challenge, c'était surtout d'arriver à convaincre les décideurs, les usagers locaux, de monter une petite équipe. Franchement, je pense qu'on a plutôt réussi notre coup quoi, par rapport à ça. Et ça fonctionne globalement assez bien hein, pour un site comme ça qui est quand même hyper fréquenté. Il n'y a pas de frontière finalement entre l'espace où on est là, que vous essayez de préserver, plus sauvage. Et bam, d'un coup, la ville, on ne peut pas enlever l'un pour préserver l'autre. Il faut réussir à faire coexister tout le monde. Tu as raison, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde en été, mais il y a beaucoup de monde aussi qui est sensibilisé de plus en plus. Je pense que la clé maintenant, elle est dans les générations futures. Elle est donc beaucoup dans le travail avec les scolaires, avec les jeunes. Il y a vraiment un changement radical de mentalité. Je suis plutôt optimiste pour les années qui viennent. On sent que tu es un homme d'action avec toute ton équipe. Là, vous êtes dans l'action, vous êtes face au problème. Vraiment, ouais, ça vous donne une vraie croyance en le présent et en l'avenir. Ça fait du bien. Ça fait du bien de voir ça. Nous sommes ici sur la balise. Vous avez ici le Mont Saint-Clair. Vous avez les enrochements qui sont là. Le ponton de la Bordelaise qui est ici. Le ponton, il y a 10 piliers de chaque côté, on peut passer dessous, c'est riche. Jeudi, j'ai vu 2 hippocampes de bonne taille. Ces plongeurs amateurs sont en formation. Ils apprennent à repérer et identifier les différentes espèces d'hippocampes de l'étang de Thau, l'une des plus importantes populations d'Europe. Donc le principe, c'est qu'il y a des petits dessins sur les hippocampes, notamment les points blancs, les traits blancs.
Et ça, c'est quelque chose qui est propre à chaque individu. Donc voilà, il faut une photo de profil assez propre comme ça. Et si possible, les deux profils. Parce que si un profil qui n'est pas très lisible pour une raison ou une autre, en général, le deuxième débloque vraiment la situation en termes d'identification. Ces plongeurs contribuent à un programme de sciences participatives. Avec un appareil photo et un bloc-notes, ils recensent le plus précisément possible la population d'hippocampe. En répétant cette opération régulièrement dans toute la lagune, ils collectent des informations capitales pour aider les scientifiques à mieux connaître l'espèce qui ne bénéficie aujourd'hui d'aucune protection. Alors, l'objectif pour les hippocampes de l'Étang-de-Thô, c'est d'en savoir plus sur cette population qui est très particulière. Les hippocampes qu'il y a dans la lagune de Thô et quelques autres lagunes d'Occitanie ne sont pas les mêmes que ceux de la même espèce qu'on trouve en mer. Ils sont endémiques des seules lagunes d'Occitanie et du coup sont potentiellement plus fragiles, sensibles à des impacts humains notamment. On s'est régalé, on en a trouvé 6. On en a photographié super bien 5. Si on en parle bien, si on arrive à bien expliquer encore plus de choses sur lui, je pense qu'on va le protéger. On n'est finalement pas grand-chose hein, sur les hippocampes, surtout sur ceux de cette lagune. Donc oui, au moins on plonge utile et faire avancer la science. Protéger l'hippocampe permet aussi de préserver l'écosystème de l'étang de Thô à la biodiversité très riche. Un peu plus haut dans les terres, la Ligue de protection des oiseaux a montré qu'il était possible de faire revenir des espèces disparues. Le centre de sauvegarde de la faune sauvage de Ville-Vérac recueille toute l'année des animaux blessés ou malades. Les oiseaux y sont soignés avant d'être réintroduits dans leur milieu naturel. Donc là, c'est un jeune faucon cresserellette. Les faucons cresserellettes, un peu comme pour le martinet noir, ils nichent sous les toitures. Et pareil, c'est un oiseau migrateur, un petit rapace migrateur. Pendant un moment, il n'y en avait pratiquement plus. Et donc, on a fait pas mal de programmes de réintroduction, de suivi d'espèces, de suivi de population. On fait des recensements, etc. pour savoir où ils nichent, où ils sont présents dans l'Hérault. Et donc, c'est vrai que ce petit a un petit enjeu derrière. Bon, là, il est en très bonne forme. Donc, on est très confiant sur la suite de sa prise en charge. Et on espère vraiment pouvoir le mener à terme pour pouvoir le relâcher quand il sera prêt. Les soigneurs veillent à maintenir le caractère sauvage des animaux. Dès que possible, ils les obligent à se débrouiller seuls. En fait, là, principalement dans cette volière, nous avons des jeunes oiseaux, donc ils sont en émancipation, et ils apprennent progressivement à remanger tout seuls. Donc pour être sûr qu'ils mangent tout seuls, on fait des suivis de poids journaliers. Et là, c'est une très bonne nouvelle pour celui-ci, par exemple, puisqu'il a pris du poids aujourd'hui, et ça fait 2 jours qu'il prend du poids de manière constante. Donc si ça continue comme ça, il sera bientôt prêt à être relâché. Émilie se rend dans une école pour relâcher un faucon. L'occasion pour elle de sensibiliser les plus jeunes à la préservation des rapaces. Bonjour les enfants. Alors dans ce carton, j'ai un faucon cresserelle. Il est très stressé cet oiseau. Pourquoi ? Parce que c'est un oiseau sauvage qui a été trouvé dans la nature. C'est l'aboutissement des soins. Nous, c'est notre plus grande réussite, en fait. C'est vraiment notre plus grande fierté de rendre à la nature ce qui lui appartient. C'est vraiment l'aboutissement de tout un travail. On est très heureux de ce moment-là quand on peut relâcher un animal qu'on a soigné au centre de soins. Oui. Ben, merci beaucoup. Le travail assidu de l'association donne des résultats. Le faucon cresserellette, qui avait complètement disparu, revient doucement dans l'Hérault. Nicolas suit de près ses populations, notamment dans le village de Saint-Pons-de-Mauchiens. Il y a un superbe mâle adulte là. Ça, il y en a un là. C'est une femelle, non ? Ouais, tout à fait.
aujourd'hui, ben, c'est un petit peu la commune mère, un peu à partir de laquelle les faucons cresserellettes ont retrouvé leur territoire. Là, on est en train de localiser les nids et on peut voir les oiseaux qui sont en train de nourrir, donc qui nous montrent où est-ce qu'ils nichent. Le but pour nous, c'est de savoir où est-ce qu'on a des faucons cresserellettes qui nichent. Et après, au travers de ça, essayer de voir combien est-ce qu'ils font de jeunes à l'envol. Et c'est autant d'indices qui nous permettent de savoir si la population, elle se porte bien, ou si au contraire, elle est en régression, ou si elle est stable. Tu l'as vu rentrer sous la tuile, parce qu'on ne voit pas la gouttière de l'autre côté. Si, moi, je l'ai vu rentrer sous la tuile. Ok. Et souvent, on se rend compte que les gens, ils sont un petit peu dans une inquiétude au début, parce qu'on a un rapace qui niche sous la toiture. Est-ce qu'il va manger mon chat? Est-ce qu'il va manger les hirondelles? Et nous, en fait, le fait de discuter, ça leur explique tout simplement ben, que non, c'est un oiseau qui est insectivore. Ça nous permet d'aller sensibiliser les habitants pour leur dire, attention, vous avez quand même une espèce remarquable qui niche sous votre toiture. Et donc, au contraire, c'est vraiment un privilège de pouvoir accueillir une espèce comme ça. La sauvegarde de son habitat et une plus grande attention à son mode de vie ont permis le retour du faucon cresserellette. Il participe aujourd'hui au charme des villages médiévaux de l'Hérault. Par contre, tu viens pas, hein. Ça se pourrait que c'est un. Ceux de cette année, je les embarque pas sur les canoës. Je pense qu'on les retrouvera un peu plus. Marjolaine. Bonjour. Salut, Ismaël. Enchanté. Ça va? Salut. Mais oui. Enchanté. Ravie bon. De t'accueillir. Ouais, tu as vu un peu le cadre? Attends, mais c'est parfait là. Alors oui, là, tu es vraiment dans la partie sauvage du fleuve Hérault. Eh bien, écoutez, Nicolas. Bienvenue à tous. Bonjour à tous. Merci d'être là. On va commencer le nettoyage par un petit spot qui est à peu près une cinquantaine de mètres dès le départ. Il y a des déchets sur la droite, il y a des déchets aussi sur la gauche. Vous le voyez, en fait, il y a des branchages et dans les branchages, en fait, il y a absolument de tout. Quand on monte sur les branchages, faites hyper gaffe parce que c'est pas du tout stable et si jamais vous pouvez passer à travers et vous pouvez vraiment vous faire mal. Ok. Ok. Merci à vous, un grand merci à vous. Ah oui, donc c'est des gens qui se réunissent pour ça, pour collecter tout ce qu'il y a dans le fleuve Hérault. C'est ça, et il y en a parce qu'un peu plus en amont, il y a encore pas mal de villages. Et quand les crues viennent grossir ce fleuve, eh bien, ça emporte pas mal de gros déchets. D'accord. Alors tiens, voilà, regarde, tu as un gilet de sauvetage. Ah, merci. Ça peut être utile. Ouais, c'est clair. On est parti? On est parti. Merci. Ah, super. Merci. Merci beaucoup. Et tu me disais qu'il y avait des crues, Marjolaine, qui étaient importantes sur ce fleuve. Ah ben là, elles peuvent aller au-dessus de la première partie du pilier, là. Ah ouais, carrément. Donc c'est plusieurs mètres de hauteur de crue, quoi. Complètement. 3, 5 mètres. Ouh, ça résonne bien, là. Donc là, tu vois les embâcles, là? Ah, ça, oui. les branches qu'on voit là? Tu vois ça, c'est ça, c'est ce qu'on appelle les embâcles. C'est en fait tout le bois mort qui va se retrouver emporté pendant les crues et après qui va rester dans les arbres. D'accord. Youhou ! Oh là là ! C'est l'aventure, hein ? Qu'est-ce qu'on fait ? On va les aider ? Ouais, mais là ! Ah oui, mais non, mais on n'y arrive pas ! Non. Oh là là ! Ah, c'est dans les coups de rame, hein, je rigole, mais... C'est cool, hein, les petits rapides comme ça. Non, 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 non. J'ai l'impression qu'il y a un petit groupe, là, on va les rejoindre. Ouais, on va les rejoindre, là, on va s'arrêter. Ok. T'as vu comme c'est impressionnant, tout ça, ce sont des arbres projetés par la crue. Ouais, traînés. Il est fourni. Là, le polystyrène. Hein. Qu'est-ce que t'as trouvé là? Bah, tu vois, à chaque ramassage, on s'amuse, Ismaël, souvent le concours de l'objet le plus insolite. Ah oui. Donc, on a souvent des surprises. Bon, là, typiquement, voilà, un jouet. J'ai quasiment le même dans la baignoire pour mes petits garçons. Il est entier. Là. Bon, Ismaël, là, il y a une grande prise.
Qu'est-ce que c'est que ça? Ah là là! Ah ouais, quand même! Mais qu'est-ce que vous êtes venu faire là avec votre kayak? On a échoué. Et par exemple, un morceau de kayak comme ça, il vient de combien de kilomètres? Une dizaine de kilomètres en amont. Ah ouais? D'où notre action, en fait, qui s'appelle de la rivière à la mer. L'idée, c'est que pour éviter que les déchets arrivent dans la mer, on les récupère en amont. À la fois, c'est décourageant parce que c'est sans fin. On pourrait rester 10 jours sur un endroit comme celui-ci. C'est bizarre, le sentiment que ça crée, c'est que ça fait plaisir de se sentir utile, mais on est face au problème en même temps. Et la solution est bien là, de suite, hein. Ouais. Dans l'investissement de chacun des bénévoles ici présents. Ouais. C'est bon ? Ouais. Marjolaine, t'es institutrice, des fois tu vas ramasser les déchets comme ça avec tes élèves ? Oui, on utilise des pinces. Donc ça, les élèves, ils adorent. Et puis des grands sacs, et c'est parti. Ils se sentent à ce moment-là vraiment utiles. Qu'est-ce qui te motive à t'investir autant pour la préservation de l'environnement ? Quand je ramasse les déchets, par exemple, en bord de cours d'eau, donc je vais aider finalement la nature, on peut le voir comme ça. Et puis en sens inverse, de toute façon, ça me sera rendu puisqu'elle me rend heureuse et qu'on passe d'agréables moments quand justement la nature est en bonne santé. Donc c'est un échange, c'est cette coopération qu'on peut avoir entre humains et nature et environnement. Et tu sais qu'on a un point commun tous les deux ? Dis-moi. C'est que dès que tu parles, tu t'arrêtes de pagayer. Regarde, je suis en train de te parler. C'est moi qui suis censée être les bras, non ? Oui, je suis en train de te parler, je me suis arrêtée de pagayer aussi. Vous avez trouvé quoi là, les gars ? Une cuve. Voilà. Dès que ça glisse tout seul là sur les roues, c'est super bon. Ça va Marjolaine ? Ça va bien. Après la montée d'adrénaline dans le rapide avec la cuve et... Et voilà. Merci. Yes! Allez les gars! Allez! Oh là là! Allez les naufragés! Allez, hop! Wow. Alors, ça, c'est tous les déchets qui ont été ramassés. Ah, il y a un beau tas. C'est délirant. Non, mais franchement, vous êtes hallucinants. Vous êtes hallucinants et vous donnez vachement d'espoir, quoi. Sincèrement, hein, de voir tous faire ça ensemble. Ouais, on revient dimanche prochain. Ouais, vous revenez dimanche prochain, bah, c'est super. Vous m'enverrez un petit texto. C'est pas la plus belle place du monde pour manger une petite glace, hein. Mmh. C'est magnifique ce petit village de Saint-Guilhem. Hein. J'aime beaucoup. Ouais. Ah, on se pose là, ça te dit ? On se pose là. Moi, j'aime beaucoup cette ambiance parce que pour moi, qui n'ai pas grandi dans le sud, je viens des montagnes de Haute-Savoie. Mmh. Quand j'étais enfant, c'était ça l'image que j'avais du sud, tu vois. La grande place avec un platane, la petite église, la terrasse conviviale où les gens boivent un verre ensemble, puis la fontaine, évidemment. C'est ça. C'est... Ouais, ça y est, hein. C'est vraiment ça, en fait. Ah ouais, vraiment, vraiment. Quand est-ce que tu t'es installée dans l'Hérault ? Je me suis installée en 2005 pour un travail à Viol-le-Fort, un peu plus haut, là, dans les terres. Et on arrivait de Marseille. On est arrivé ici, c'était tout petit. On s'est dit, mais mon Dieu, on ne va plus rien faire. D'un coup, on va s'empâter. Mais en fait, non, pas du tout. Et finalement, on a pu davantage s'engager et être bien dans ce petit monde-là, plus qu'à Marseille. Ouais. C'est intéressant ce que tu dis, parce que j'ai l'impression que dans les années 60, il y a eu un mouvement avec l'exode rural. On disait c'est dans les grandes villes, les territoires d'aventure où vous pourrez construire vos vies. Et qu'aujourd'hui, il y a un mouvement un peu inverse où on quitte ces grandes villes un peu impersonnelles pour aller vers des petits villages où tout le monde se connaît, où il y a une vraie vie communautaire et où chacun prend sa place. C'est vrai. Oui. Alors, maintenant, les gens sont à la recherche de ça. Nous, je ne sais pas si on le recherchait, mais finalement, on l'a trouvé. Et c'est ce qui fait quand c'est posé là. Ouais. Et c'est très agréable, effectivement.
Bon, par contre, je mange ma glace parce que j'en ai plein les mains. Tu sais, c'est comme avec la pagaie. Quand on parle, on arrête de manger, comme on arrêtait de pagayer. Et c'est dans le sud, là. De la glace partout. Quand le soleil écrase les ruelles de Vendémian, on pourrait croire ce petit village médiéval endormi. Mais en tendant l'oreille, le claquement des balles en caoutchouc vient rompre le silence. Les soirées ici sont animées par un sport très local, mais incontournable dans le centre de l'Hérault. Bien joué, bien. La balle au tambourin. Je vais démarrer avec toi, Mathéo. D'accord ? Les balles qu'on va avoir, on ferme, d'accord ? D'entrée, on lui coupe son jeu. Et après, derrière, comme ça, on enchaîne et on continue à faire un autre jeu. D'accord ? Allez. Allez, gars, des murs devant. C'est un jeu proche du tennis qui se joue en équipe à 5 contre 5. La raquette est remplacée par une toile tendue sur un cercle en plastique qu'on appelle tambourin ou tambournet en occitan. Voilà ! Les règles, c'est simple. Il y a un camp pour chaque adversaire. Le terrain fait 80 mètres de long sur 20 mètres de large. Et les échanges, il n'y a qu'un seul joueur qui peut toucher la balle, soit au bon, soit à la volée, et il faut qu'il le mette dans la zone de jeu de l'adversaire. Apparu au 19e siècle, le tambourin se rapproche du jeu de paume, mais se joue sur un terrain presque trois fois plus grand. C'est physique, mais c'est beaucoup un jeu d'adresse. Ils accompagnent la balle et des fois, il n'y a pas besoin de la forcer. Joueur, entraîneur, président de club, Frédéric a pris le virus de ce sport et le transmet à ses enfants. Une évidence quand on a grandi à Vendémian. Je suis né ici, donc oui, j'ai débuté moi à l'âge de 6 ans. Quand on nous cherchait dans le village, que ce soit nos parents, que ce soit la bonne sœur quand on allait faire le catéchisme, elle savait où venir nous chercher, ben, on était là. Alors, en attendant, on tapait des balles sur le fronton du village. Et il y a des années de ça, il y avait un ancien du village qui disait « Ici, on est un tambourin à la main ». Bon, c'est pas faux. Les petits, ils sont obligés de passer sur le terrain de tambourin pour aller à l'école. Ça rythme un peu la vie du village. Bien que très local, le tambourin rassemble 5000 licenciés, majoritairement dans le centre de l'Hérault. Si la région parvient à faire vivre ses traditions, c'est aussi grâce à sa langue et à ses écoles occitanes, les calandrettes. Ses enfants de CM1 et CM2 suivent tous leurs cours en occitan. Qu'est-ce que vous avez ici à Castecansou ? Ah, quelques-unes, ok. Alors, des cabestrapates comme moutes. Il y a Carcassou, non ? Non. La sfille de la Ciutat. Alors, la sfille de la Ciutat. Normalement, qu'est-ce que veut dire la Ciutat ? Une ville. Une ville ? Oh, peut-être une ville, t'avais. Cette chanson, en fait, elle parle de tout le territoire où on parle occitan. Et ensuite, on va essayer de se repérer sur une carte. Ça parle de beaucoup de villes de l'Occitanie, donc on va aussi travailler au niveau de la géographie. Et ils vont essayer de me repérer les villes un petit peu sur la carte. On est vraiment là présent pour transmettre cette culture, ces traditions aussi. Et d'ailleurs, les enfants, dès qu'on parle un petit peu de tradition, qu'on s'intéresse à la culture, ils sont vraiment super emballés. C'est des choses qui leur plaisent vraiment beaucoup. Cette transmission passe notamment par le sport. Un tambourin, chacun et chacune dans le sac. Toute l'année, les enfants découvrent le tambourin grâce à une animation adaptée aux plus jeunes. Ça va les enfants ? Oui. On est en forme aujourd'hui ? Oui. Comment dit-on tambourin en occitan ? Tambournet. Parfait. Vous me faites deux équipes de 6, une équipe de 5. Alors au début, ben, quand on dit que le tambourin, il se pose des questions, c'est la prof de musique qui arrive, voilà. Et après, de suite, quand il découvre que c'est un sport original, un sport qui est ludique, attractif, que, voilà, que l'on amène avec plein de petits ateliers où ils vont travailler sur des jeux de précision, de passe, c'est un sport d'équipe. Donc voilà, là de suite, ils adhèrent à l'activité. On adapte réellement les règles. Aussi, au début, on autorise plusieurs rebonds. On est vraiment dans le jeu, l'échange. Le but, c'est de faire adhérer l'enfant à l'activité et surtout qu'il prenne du plaisir à jouer. Et quand on prend du plaisir à jouer au tambourin, c'est quand on arrive à renvoyer une balle et à faire des échanges avec ses coéquipiers. Ça permet
un petit peu de défoulé quand on tire. Par exemple, si on est énervé, on peut tirer très fort. Donc du coup, ça défoule un petit peu. Et ça fait plaisir de jouer avec ses amis, quoi. Je joue à l'école, un peu avec mes parents. J'apprends un peu à ma sœur aussi. C'est bien d'apprendre aux petits le sport. Et voilà, ça me plaît. Proposées dans de nombreuses écoles du département, ces animations contribuent à faire vivre un sport qui anime tous les étés les villages de l'Hérault. Pour le coup, c'est vrai que c'est quand même hyper agréable la décapotable. Ouais, on est chouette, là on est bien. Allez, c'est parti. Ouais, dis donc, c'est très très beau ici, Marjolaine. Alors, regarde ici. T'as bien choisi la route, hein? Oui, oui. Waouh! Je me gare par là? Oui, tu peux te garer ici, je pense. Je garde dans le bas. Devant le petit camion? C'est ça. Sympa de me faire visiter un hangar. J'apprécie regarde beaucoup. Regarde, il est plein, ce hangar. Ah, mais c'est magnifique. Bonjour, bonjour. 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 Bienvenue. On voudrait des OIS pour pouvoir mettre dans un jardin partagé. D'accord. Mais c'est quoi? Parce que pour moi, c'est de la poterie. Enfin, tu vois, C'est des poteries d'arrosage. C'est vraiment une spécificité que nous avons. On a ressorti un vieux système qui date de la nuit des temps, on va dire. Le principe, c'est... Je mets de l'eau à l'intérieur. Ouais. Du coup, elles sont microporeuses. Elles vont suinter régulièrement. Ces poteries, je vais les mettre en terre. C'est la terre qui va puiser doucement l'eau qu'il y a à l'intérieur de la poterie et qui va générer une zone humide autour. On va mettre les plantes et les plantes, elles se régalent. Okay. Donc, une OIA de cet ordre-là va irriguer à peu près 1 mètre carré. C'est extrêmement économe en eau. On fait quand même 1,5 tonne de terre par jour, ce qui représente près de 150 000 pièces qui sont faites intégralement à la main. Et tu sais que moi, j'ai souvent... Enfin, je dirais pas rêver, c'est exagéré, mais ça m'a toujours intrigué d'essayer, tu vois, le geste sur le tour. Tu veux faire ça? Bah, j'aimerais bien essayer, ouais. Enfin, ouais. Je me permets de demander ça. Hein. Bah, il y a Charlotte qui va te montrer. Très tu vas regarder et puis tu vas essayer. OK. Alors ici, le tournage, l'atelier, tout. Wow. Voilà, tu vas pouvoir expérimenter. Mais quand je vois l'état du mur derrière, je me dis que j'ai bien fait de mettre un t-shirt blanc. Ouais. C'était... Tout ça en harmonie avec ouais. le mur. D'ailleurs, ton jean était blanc. Ça fera... Ben, ah bon, moi, voilà. J'ai trouvé l'astuce. Je suis couleur terre, ça va plus vite. Oh, regarde comment elle fait ça, c'est fou. Hein. Il faut 5 ans pour arriver à être un tourneur et 10 ans pour être un tourneur efficace. Ah oui, d'accord. Et tu vas pouvoir essayer et comprendre. Ça, je sais le faire. Mmh. Waouh. Oh, mais comment tu fais ça? C'est vraiment une chorégraphie d'enchaînement de gestes qui fait monter la terre, qui affine la terre petit à petit, quoi. Je te laisse la place. Là, tu lances le tour. OK. Et après, là, il faut que tu essayes de pas trop serrer avec la main gauche. D'accord. Et tu restes le doigt là-dedans. Voilà, et tu vas tirer vers toi, tu fais un crochet. Tu tires, et là, tu fais le fond. Oh, mais c'est génial! Voilà, tu relâches progressivement. C'est une satisfaction incroyable, je trouve. Ah bah ouais, ouais, ouais. Et voilà, t'as fait un cylindre. Ton premier cylindre, un bol. Et... Tchac! Voilà, ouais. Parfait. C'est une grosse pression, ce moment-là. C'est vrai. Et tu mets combien de temps pour faire un OIA comme celui-ci? Ce que je faisais, là, ouais. Cela. 4 minutes. Ah oui, d'accord, OK. Bon, très bien. Donc moi, en un quart d'heure, j'ai fait un bol. Je comprends ton savoir-faire et ta dextérité.
Tu vas essayer celle-là. D'accord. C'est celle qu'on appelle la L. Donc vraiment, elle est enterrée, hein, tu te rappelles. Voilà, le bouchon, responsabilité là. Élément indispensable pour l'évaporation et pour les bestioles aussi qui pourraient tomber dedans. Bon, bah merci beaucoup à vous en tout cas. Il n'y a plus qu'à. Ouais, et bravo pour ce que vous faites. C'est, et c'est merci bluffant. Pour votre passage. Bah, de rien. Bonne continuation. À bientôt. À bientôt. Bye bye. Salut. Au revoir. Au revoir. Alors, où est-ce qu'on va aller planter ces oyasses maintenant? Je te propose qu'on aille à Villeneuvette. Hein. Ouais. C'est mon village. D'accord. Dans ce village, il y a un jardin partagé pour qu'on puisse les essayer. Ok, super. Donc c'est ici que t'habites, Marjo? C'est ça, Villeneuvette. Hein. Voilà, la place principale du village, qui nous sert de point de ralliement, de discussion, autour et de bons moments. Autour de la fontaine, alors? Autour de la fontaine. Ah, c'est agréable, hein? Ouais. Bien Elle frais. Est bien fraîche. Ah ouais, c'est cool. Mais qu'est-ce qui se passait ici? Parce que je trouve qu'il y a un côté citadelle, avec cette grande porte, là, les espèces de... pas les murailles, mais en tout cas les murs d'enceinte très hauts. Donc ici, Ismaël, c'était la manufacture royale, hein. Sous Colbert. Donc c'était Louis XIV qui avait demandé à Colbert de s'occuper de ce lieu en particulier. Et qu'est-ce qu'on faisait ici? On faisait des draps, de grands morceaux de tissu dans lesquels on taillait les pantalons des soldats. Et donc, tu vois, la grande porte d'entrée se refermait le soir avec un couvre-feu et les ouvriers donc restaient vivre ici, travailler ici. Donc toutes ces maisons, en fait, que l'on voit là, abritaient des ouvriers. Pour cette partie-là, on pouvait avoir les contremaîtres. Donc en fait, toutes les couches sociales se retrouvaient ici dans le village. D'accord. Il y avait jusqu'à un cinéma dans cette usine. Donc une activité industrielle qui s'est arrêtée vers les années 1950. Et dans les années 70, alors une vie a repris et les habitants de Paris venaient ici trouver des maisons et les retaper. Donc le village a pu reprendre vie. Voilà, on a des vestiges, puisque là, en fait, ces étendoirs que tu vois, qui sont maintenant des étendoirs publics. Et c'est là où les draps, après être teints, ben, venaient sécher. J'imagine que ça doit être une vie un peu spéciale d'habiter dans un endroit comme celui-là. Ouais, une mini-société. Vous êtes combien d'habitants ici? On est 70. Ah oui, à l'année, 70. À l'année. Donc ici, c'est pas vraiment une communauté. On a chacun nos vies, mais effectivement, on arrive à faire en sorte de, bah, qu'il y ait de l'entraide, de la solidarité et qu'on vive en coopération. Tu es bien chaussé? Ça va. Ça va monter. Donc ici, tu vois sur le côté, c'était le canal qui permettait à l'eau d'arriver jusqu'au village, hein, puisqu'on a la source, hein, de Villeneuvette de l'autre côté de la Dourbie. Et ce pont avait un autre rôle, c'est qu'à Pâques, les amoureux traversaient le pont. Et on faisait une fête au pied, etc. Et donc du coup, il est appelé maintenant le pont de l'amour. Ah, c'est beau ça. Ouais, il est très beau. Mais de toute façon, je trouve qu'il y a une ambiance vraiment très, très douce ici. Hein. Ouais, au fil de l'eau. Au fil de l'eau, c'est ça. Ça y est, on est arrivé. Donc ça, c'est un bassin de rétention d'eau, c'est ça? Exactement. Ça veut dire que l'eau qui alimentait une partie du réseau des canaux qu'on a croisés venait de là, alors? Oui, complètement. Et donc, ça a été longtemps, même après l'usine, un endroit où les gens venaient se baigner. C'était un peu la piscine où on venait apprendre à nager. C'est fou, ces ouvrages industriels étaient vraiment hallucinants. Enfin, tous les moyens qu'on a mis en œuvre, toute l'ingénierie qu'on a mis en œuvre pour les faire exister à cette époque-là, c'est toujours très fort, je trouve, de voir ça. Ce savoir-faire. Ah voilà, bienvenue au jardin. C'est vos jardins partagés, c'est alors. C'est nos jardins partagés.
Alors, je te propose qu'on s'arrête ici pour planter les œillets, si tu veux bien. Ok, très bien. Ah bah voilà, super, on est bien. Hop là. Stop. Et voilà le travail. Eh ben super, on a... Parfait. Il n'y a plus qu'à ce que ça se fasse, tranquillement. C'est satisfaisant, hein, de faire ça. C'est tout bête, mais c'est satisfaisant. C'est vrai. Merci d'avoir participé. Beau travail. Rien. Ouais, bien joué, Marjo. Regarde-moi ça, comme c'est beau. Tu as vu un peu fin de journée, cette lumière? C'est trop beau. Le panorama idéal. Et alors, t'as vraiment bien choisi l'endroit pour boire un verre. Franchement, ça peut pas être mieux. Ah, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Merci. Asseyez-vous. On peut se mettre là, il n'y a pas de souci? Pas de souci, c'est super. Pour vous. Très bien. On a une bonne vous place. Avez une très belle vue sur la couchée du soleil. Ah ouais, merci, là c'est parfait. C'est chez vous ici? C'est chez nous, oui. On habite ici. C'est nous qui avons planté toute la lavande et toutes les plantes aromatiques. Mais c'est un endroit féerique. Hein. C'est magique. C'est, c'est un petit secret aussi, c'est un peu caché. Ouais. Et vous avez un charmant petit accent. Vous ne seriez pas britannique un peu? Je suis britannique, mais je suis ici depuis plus que 20 ans. Ah oui, d'accord. Vous êtes une vraie héroltesse, ça y est. 20 ans, hein, ça doit être bon. Ah oui, ça y est. C'est validé. Bon, très bien. Voilà. Merci, ah, merci Thierry. Merci, merci Thierry, merci, merci pour tout. Eh ben écoute, à la tienne. Bah oui. On trinque à quoi? À la fête de la lavande et puis à l'Hérault. À la connexion. Tout ce qu'il réserve. Voilà, à la connexion à la nature, ouais, c'est bien. C'est parfait, hein? C'est parfait. Ah ouais, on est trop bien. Sécheresse l'été, inondation l'hiver, le département de l'Hérault est confronté toute l'année à des phénomènes climatiques violents. Protéger le milieu naturel permet de limiter ces catastrophes. C'est le rôle de Gilles Laurente. Dans le massif du Caroux, à 900 mètres d'altitude, il veille sur une immense tourbière qui stocke les précipitations hivernales. La tourbière qu'on a sous les yeux, là, c'est en fait, il faut imaginer une formidable éponge sur plusieurs mètres et donc sur une surface très, très importante. Et cette éponge, elle reçoit essentiellement l'eau de pluie et l'eau d'écoulement qui peuvent venir des crêtes qui sont derrière nous, par exemple. Une fois que l'éponge est relativement bien remplie, comme c'est le cas là actuellement, eh bien, effectivement, cette eau va s'écouler et va se libérer au fil du mois. Pendant longtemps, ces zones humides ont souffert d'une mauvaise réputation et ont été comblées ou asséchées. Elles sont aujourd'hui protégées pour mieux gérer la ressource en eau devenue très précieuse. C'est un milieu qui est très riche et aussi ce qui, moi, m'intéresse beaucoup vis-à-vis de ces milieux, c'est toutes ces fonctions que l'on ne perçoit pas sur les aspects de prévention des inondations, de soutien des étiages en période de sécheresse, de qualité de l'eau. C'est vraiment des fonctions environnementales, des fonctions écologiques qui sont capitales et qu'on doit vraiment s'attacher à préserver. Un peu plus bas, quand cette eau rejoint des sols calcaires, il devient difficile de suivre sa trace. C'est le travail des hydrogéologues, comprendre le trajet de l'eau quand elle quitte le lit des rivières. Dans le langage des hydrogéologues, on dit la rivière se perd. Une perte, c'est une zone où un cours d'eau s'infiltre totalement dans le milieu souterrain. Donc on peut voir sur cette eau qui arrive devant moi, et derrière moi, on voit qu'il n'y a plus de rivière. Et pourtant, cette eau va continuer de transiter, mais sous nos pieds, donc on ne la verra plus en surface. C'est typique des paysages calcaires. Il n'y a pas de rivière dans les cours d'eau, elles sont à sec. Il est important pour nous de savoir quel est l'impact de cette perte sur les sources. Est-ce qu'un polluant peut contaminer une source? Et surtout, quelle source risque d'être contaminée? Pour avoir ces informations, on va injecter un colorant alimentaire inoffensif pour l'environnement. Et ce colorant va partir donc dans les entrailles de la terre en suivant le fil de l'eau.
L'hydrogéologue va reconstituer le trajet de cette eau colorée. Elle va circuler dans un labyrinthe très complexe qui ne suit pas forcément le cours des vallées. Quand tu penses qu'on avait de l'eau jusqu'aux genoux. On arrive au rocher qui chante, là, qui est un obstacle dans la progression. Je pourrais rester pendant des heures à écouter simplement le chant de l'eau et son petit clapot sous le rocher. Pour la suite de l'enquête, Nicolas s'est changé en spéléologue. Il arpente les nombreuses galeries et rivières souterraines du secteur et y pose des appareils de mesure. Ils lui permettront, au bout de plusieurs semaines, de retrouver le colorant injecté en surface. Il est important pour nous de connaître cette séparation entre l'eau de surface qui tombe sur le sol et l'eau souterraine qui peut voyager dans un sens opposé. Si on arrive à comprendre cet écoulement souterrain, on peut par exemple préconiser de ne déplacer de quelques kilomètres un ouvrage agricole qui pourrait, en cas d'accident, polluer le réseau souterrain. Donc c'est quelque part une aide à la décision pour mieux aménager le territoire. Ce travail permet aussi de mieux évaluer les ressources en eau et de mieux prévoir les risques liés au changement climatique. Lutter contre la sécheresse, c'est devenu l'obsession de Didier Barral. En 25 ans, ce vigneron de la région de Faugères a bouleversé l'organisation du domaine familial. Son objectif, capter la moindre goutte d'eau qui tombe sur ses parcelles et retrouver le fonctionnement naturel des sols. Par exemple, en laissant pousser l'herbe dans ses vignes. On ne laboure plus, on préserve les insectes et les invertébrés qui sont dessous et qui le perforent. Et en plus, on va coucher cette herbe de manière à faire un paillage sur le sol. Et on n'est pas loin du sol forestier avec les feuilles, les branches, les herbes qui en fait sont là pour protéger le sol, faire comme une pellicule, une peau en fait, pour éviter que l'humidité remonte à s'évaporer et surtout pour que le soleil ne sèche pas la terre. Plus il comprend la nature qui l'entoure, plus il s'éloigne de la monoculture. En 10 ans, Didier a planté 7000 arbres pour protéger ses vignes du vent. Il s'est même lancé dans l'élevage. La vache dans la vigne, c'est pas venu naturellement. Il a fallu comprendre que la bouse de vache, qui reste chaude en hiver et fraîche en été, est vraiment un habitat naturel du ver de terre et de beaucoup d'insectes, notamment les coléoptères. Donc le ver de terre, il perfore nuit et jour. Ça crée de la porosité dans le sol et puis ça draine l'eau. Et il fait un travail que pas un outil au monde n'est capable de remplacer. On ne peut pas faire sans ver de terre. Didier Barral suit une voie très personnelle. Sa méthode demande beaucoup de travail pour des rendements faibles. Mais ses efforts se retrouvent dans le vin. Le troupeau a trouvé son équilibre. Les vignes ont leur équilibre et donc le raisin a cet équilibre. Le moindre détail a son influence. Donc on est obligé de faire attention à tout et surtout éviter de trop modifier la nature et de trop influencer sur elle. Voilà. Il faut la laisser faire. Et c'est à nous à nous adapter à elle. Tous ces écosystèmes naturels jouent un rôle de réservoir d'eau. Mieux les comprendre et les protéger est une piste pour répondre aux défis du changement climatique. Ismaël. Salut Robin. Ça roule? Ouais, ça va bien et toi? Bon, tu viens de nous voir. C'est sympa de faire du stop avec un tracteur. Ouais, c'est rare, mais bon, ouais. Exceptionnellement, on va te prendre. Tu me penses, c'est cool. Tu peux t'asseoir là. Hop là. T'as sur la tête. Ouais. C'est sympa, alors qu'on se connaît pas, de commencer cette journée ensemble comme ça. Direct, en faisant F1. Ouais.
Et je te cache pas que tout mon petit voyage en voiture jusqu'ici, je m'en suis pris plein les yeux. Donc, ouais, hein. Et toi alors, t'es paysan et aussi guide de randonnée à cheval, c'est ça? C'est ça. D'abord paysan, éleveur et puis guide. Grosso modo, on est toute l'année paysan et 4 mois par an, on est à cheval. Et tout ce foin, il est destiné à tes chevaux alors? Ouais. Vous avez combien de chevaux dans votre élevage? On a eu monté jusqu'à 100, 110 chevaux, mais on a réussi à réduire. Et puis là, on s'est partagé avec Sophie, on s'est partagé 80 chevaux. Sophie, c'est ta femme, hein? Ouais. C'est ça? Donc l'élevage de chevaux, les longues randonnées à cheval pour les clients et les céréales. Donc il faut être multi-activité quand tu travailles dans le monde rural comme ça, pour vivre dans un endroit comme celui-ci. C'est aussi un besoin d'avoir du sens pour soi-même. Si je faisais que du travail avec les touristes, j'aurais pas grand-chose à leur raconter. Et si je faisais que du travail tout seul dans ma ferme, ben j'aurais personne à qui raconter mes histoires. Du coup, produire mes chevaux, mais aussi d'accompagner les gens, c'est vrai, voilà, ça a du sens parce qu'il y a le tout ensemble. Bon, en tout cas, moi, je suis très excité à l'idée de partir arpenter tous ces chemins à cheval avec Sophie et toi. La météo est avec nous. On va avoir un beau bivouac ce soir. Donc ouais, ça va être un bon moment. La nuit sous les étoiles à cheval, c'est pas mal ça. Voilà mon ami. C'est là que nos chemins se séparent. C'est là que nos chemins se séparent pour le moment. Je te retrouve tout à l'heure. Ouais. Bon bah bon courage à toi. Je t'ai pas été d'une grande aide, mais j'ai adoré notre rencontre. Ouais, moi c'était aussi. Top. Ça marche. Salut, à tout à l'heure. Salut Sophie! Ça va? Ça va? Et toi? Ouais, super bien. Bien roulé? Ah, écoute, ravi, ouais. Eh ben, bienvenue c'est au Quintanel. C'est magnifique. Tu vis dans un bel endroit quand même, hein? N'est-ce pas? Et voilà les chevaux alors? Ouais, je suis venue leur mettre de l'eau parce qu'avec cette température, ils boivent beaucoup. Bah, je comprends, hein. C'est vrai qu'il fait très très chaud. Ouais, ouais. Je peux te donner un coup de main pour les chevaux? Avec grand plaisir, tu vois. Tu peux le remettre dans la benne. Ouais, j'imagine que c'est précieux ici. Eh oui. L'eau, il faut aller la capter sous terre dans la vis. Donc à plus de 400 mètres. Et vos chevaux, ils vivent dans ces collines, là? Ouais, tout à fait. Ils vivent dans toutes les montagnes que tu vois autour, quasiment. On travaille à peu près sur un peu moins de 800 hectares. Ils ont 800 hectares pour 800 hectares, vivre. Ouais. Mais bon, il faut savoir qu'ici, la végétation est très bonne, mais peu dense. D'accord. Donc en fait, on compte à peu près 8-10 hectares pour nourrir un cheval à l'année. Ils ont la chance de vivre quasiment en semi-liberté, en troupeau, dans la montagne, toute l'année. Quoi. Ah, c'est une belle vie de cheval, ça. Voilà, ouais, je pense. J'espère pour c'est eux. C'est clair. Mais là, c'est l'endroit le plus sauvage que j'ai croisé sur ma route, quoi. Clairement. Ouais, ça m'étonne pas. C'est pas très peuplé, pas densément peuplé en tout cas. Bah oui, parce que franchement, faut avoir une capacité d'adaptation assez folle, quoi, et pour s'installer ici. On remarque un peu comme vous finalement. Oui, c'est sûr. Pour beaucoup, ça peut paraître assez rude, et ça l'est, hein, de travailler la terre ici. C'est quand même. Moi, je suis sartoise d'origine. Ouais. Et la première fois que j'ai amené ma famille ici, qui nous ont vu labourer des parcelles, ils nous ont dit mais il y a que des cailloux. Vous semez des cailloux ici, mais. Mais ouais, c'est très joli le Causse. Moi j'aime beaucoup, je suis vraiment tombée en amour pour le site. Salut les amis, ça va? Ça va Robin? Impeccable. Ça y est, t'as fini avec les andants? On a fini. On va pouvoir préparer les chevaux pour la petite balade. Ah bah ouais, carrément. Oh, ils sont vraiment magnifiques vos chevaux. Hein. Bah, il faut qu'ils puissent enchaîner les kilomètres, donc il faut qu'ils soient en forme. Alors je prends lequel moi? Alors toi, Ismaël, tu vas prendre Orion. Salut Orion. Donc c'est un cheval qui connaît parfaitement les chemins, qui pardonne les erreurs, qui a fait à peu près 22 000 km derrière le mien. Donc bon, il n'y aura pas trop de surprises. C'est plutôt lui qui va t'apprendre. Bah tant mieux parce que je suis pas le roi du cheval moi. Ça me fascine mais tu vois c'est pas totalement mon truc donc je débute quoi. Il faut s'y mettre, faut mettre le pied à l'étrier. Comme on dit, pour le coup. On
part à 4 alors. Ouais, bah Ismaël, je te présente Gulzada, qui est stagiaire à la maison. Gulzada. C'est absolument magnifique le paysage, les amis. Hein. Ouais, c'est pas mal, ouais. Moi, ce que je vois, c'est les champs qui sont fauchés, ceux qu'il va falloir moissonner dans un mois et demi. Ah, toi, t'as une lecture paysanne du paysage. Moi, c'est plus la contemplation, tu vois. Allez, Django. Allez. Yep, brech. Allez, mon. Brech. Allez. Yep, yep. Allez, hop. Tu devrais venir avec nous pour cet été. Ah, franchement, ça serait avec plaisir. Hein. Et ouais, 2 mois d'affilée. 2 mois. Vous partez et vous faites une espèce de randonnée équestre, finalement. Ah, bah c'est plus qu'une randonnée, parce que c'est vraiment du voyage à cheval. Ça a du sens de traverser les montagnes, d'aller à un point B, de bivouaquer tous les jours à un endroit différent et d'avancer comme ça, d'évoluer. En plus, ça attire la sympathie des gens et on rencontre plein de personnes quand on voyage à cheval, je trouve. Bon, c'est une sacrée aventure, quoi. Ouais, vous êtes des baroudeurs à cheval. Un petit peu, ouais. En tout cas, c'est ce qui nous fait vibrer au quotidien. Juste magique ce paysage là. Ah c'est fou hein, ces falaises. Ça s'appelle comment? Ah c'est le cirque de Navacelles là. Le fameux alors. Avec les gorges de la Visse, 400 mètres de dénivelé, un des plus grands canyons d'Europe. Comme c'est trop beau. On va être bien là. Pas trop droit là. Hein. Non, pas trop, mais bon, c'est pas grave, ça ira. Tu sais, on plante comme on peut. Hein. Wouh, ça va les amis? Ça va et toi? Impeccable. Ah ouais. C'est le repos du guerrier, mon ami. Ah ouais, dis donc, je marche comme un croissant. Bon, qu'est-ce qui te tente pour l'apéro? Ah mais attends, mais c'est le meilleur apéro de l'année, ça. Yes. À ta santé. À la tienne. Merci d'être venu jusqu'à vôtre. Chez nous. Et une fois qu'on est assis, on se relève plus pour trinquer. Hein. Ouais, allez, à la vôtre. Waouh, non mais c'est fabuleux d'être là, vraiment. Non, mais je vous remercie, hein, parce que c'est ce que je retiendrai, tu vois, de mon voyage ici, notamment, c'est que j'ai rencontré des gens qui vivent dans des milieux ruraux, des fois un petit peu à l'écart, alors vous, un peu plus que les autres, mais qui sont très ouverts à la rencontre, aux personnes qui viennent de l'extérieur. Enfin, je me suis senti très vite intégré, tu vois, vraiment. Du coup, je reste ici et je m'installe chez vous. Non, bah, pas de soucis, écoute. Je dis souvent aux gens qu'en fait, on est comme nos chevaux. On est rustique et rude à l'effort, tu vois. Et c'est ce qui fait qu'on arrive à survivre ici. Et puis on aime cette liberté de vie, quoi. Enfin, on a choisi d'être libre. Et alors oui, c'est pas tous les jours facile, mais par contre, c'est ce qui fait qu'on est heureux ici, quoi. Ensemble et avec les gens qui nous entourent et qui veulent bien participer à l'aventure. Bon,
c'est ici dans ces paysages absolument magnifiques que se termine mon voyage. Et j'ai regardé sur la carte hier combien de kilomètres à vol d'oiseau il y a entre 7, le début de ce voyage, et ces paysages de montagne. Eh bien, figurez-vous qu'il y a seulement 80 kilomètres. Et je crois que c'est la première fois en France où, sur une si petite distance, j'ai découvert autant d'univers et de mondes différents. Et ça, franchement, ça m'a vraiment impressionné. Si les huîtres de l'étang de Thau, si le canoë sur l'Hérault et si le cirque de Navacelle absolument magnifique vous manque, vous le savez, il y a le replay pour revivre mes échappées belles. Et puis, n'hésitez pas à nous dire sur les réseaux sociaux les destinations, les endroits que vous aimeriez découvrir. On essayera d'y aller, c'est promis. Allez les amis, moi je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures au bout du monde ou juste à côté de chez vous. À bientôt !